Bonjour la famille. Comment nous y est? Comment ça va la caille? Moi content en pile pour moi entrer la caille aujourd'hui. Pour moi porter pour même 19e numéro de ti causé sous famille ak famille. Fort dans cœur pour dimension joie qui a dégagé. Dès que moi retrouvé. Ça fait quelques jours, pas de chance rencontrer pour nous faire si bas de bouche ensemble. Sous causer famille. Eh bien, je dis à, si avec joie dans le cœur, moi fais ça. Merci pour l'accueil là. Merci dès que ouvrir de battant partout pour recevoir nous. Ça fait chaud au cœur. Si causer sous famille, avec famille, j'en connais déjà c'est espace pau. C'est occasion nous gagner pour nous chita, pour nous faire des réflexions sur différents problèmes que famille a confronté, y a enduré, nous garder yo, nous analyser yo, et nous garder ensemble qui éléments de solution nous cap envisager. Et c'est ça qui fait que nous venons là car aujourd'hui. Parce que nous réalisons la famille que tant yo chaque jour yo pour aller de mal en pire, situation grave, situation lamentable. Mais comme étant la famille, nous pas qu'à baisser les bras, nous pas qu'à abandonner, au contraire. Nous devons redoubler de force et d'effort pour nous continuer et nous garder ensemble qui ça nous a fait comme étant citoyen responsable. Pour vous servir, c'est toujours votre frère, votre ami, pasteur Dorestan Bernardo. Pasteur Ben, qui a souhaité au bon petit causé, et j'en dis déjà, c'est 19e numéro A qui entre la caillou. Et si vous avez entré en contact avec nous, ou qu'a fait ça via WhatsApp au numéro 40 70 80 44. Car vous connaissez causé, c'est ça fait pas. Et ou c'est ça fait pas. Merci de votre accueil et merci de votre écoute. Nous certains que nous avons un bon petit causé, jeudi à ensemble la famille, j'en dis déjà, nous partageons 18 numéros de petits causés sur famille avec famille avec déjà, mais de la pratique, c'est 19 vidéos, très longues. Et si nous avons fait une vidéo de 15 minutes, nous avons déjà sous 50 vidéos. Parce que vidéo, majorité, durée 45 minutes environ. Vidéo très longue. Nous parlons de mariage. Nous parlons de mari, nous parlons de madame ou de femme. Nous parlons de timounio. Nous parlons de caractère, construction parasismique, caractère timounio, etc. Nous parlons de planning familial. Nous parlons d'un pile causé. Mais dans le 19e numéro, comme nous sortons dans le planning, nous ouvrons une parenthèse. Une parenthèse, côté que je dis. Dans le 19e numéro de ti causé sous famille, avec famille, nous parlons de 10 occasions. Même si probablement nous n'avons pas 10 là dans le seul numéro de ti causé, ça a coûté deux vidéos, mais sujet, nous allons parler de 10 occasions. Côté que, ou besoin faire en pile prudence, ou besoin prendre en pile précaution. D'ailleurs, la Bible demande de nous être prudents comme le serpent. La prudence, c'est important de l'exercer comme citoyen, comme moun avisé, comme père et mère de famille. Nous devons être prudents. Nous avons besoin de veiller sur les décisions à prendre. Nous avons besoin de veiller sur les actions à poser comme moun qui a réfléchi. Nous n'avons pas qu'à prendre n'importe quelle décision et à la va-vite, sans réfléchir comme moun qui est naïf, comme moun qui n'a pas qu'à penser, qui n'a pas avisé. Au contraire, à chaque fois que nous allons décider, l'état bon pour nous prendre temps, pour nous réfléchir, pour nous penser, est-ce que je dois faire telle ou telle chose? Est-ce que je dois prendre telle ou telle décision? Est-ce que je dois prendre telle ou telle direction? Nous n'avons pas le droit d'agir tout le temps avec émotion. Et c'est après nous allons rendre compte que si nous prenons un petit temps, l'état plus bon.
Et j'ai un condil dans le proverbe créole, si m'te connais, toujours derrière. Et effectivement, si m'te connais, toujours derrière. J'en dis là, c'est bon pour nous exercer la prudence, le bon sens, bon comprendre, réfléchir, mais il y a 10 occasions que nous allons garder ensemble, que nous avons besoin plus prudents. La famille, première occasion côté que nous avons besoin de prendre un pile précaution, exercer la prudence, ou mettre noté, c'est lorsque nous sommes trop contents. C'est bien pour nous gagner la joie dans le cœur. C'est bon pour nous contents. Mais lorsque nous sommes trop contents, c'est une occasion pour nos besoins prudents. Parce que excès en tout nuit, excès en tout dérange. Mais oui, l'autre content, ou senti que toute bagaille devant facile. Ou qu'à prendre toute décision, et quel que soit en pleur, ou est son petit bagaille qui est lié. L'autre content, ou senti que ou t'es qu'à faire toute promesse. Ou pas même prendre un petit temps pour réfléchir, pour mesurer dimension promesse là. Est-ce que m'a capable kembe? Est-ce que m'a capable faire li? Est-ce que m'a gen moyen? Est-ce que m'a gen temps? Mais seulement nous tellement retrouver nous dans ces circonstances là, et ben tête nous parti, nous tomber prendre décision à la va-vite, décision irréfléchie, nous ken pas même capable endosser. Nous dit oui sans pas rendre compte parce que nous content, nous a bambilé, n'a enjoy nous, la joie dans cœur nous, tout bagaille paraît rose devant nous, tout bagaille paraît facile, et ben n'a prend décision, n'a coupé raché. Lorsque ou trop content, ou besoin veiller en pile sous ça parce que ou capable couper charge, mais ou fait charge ou pas capoter. Ou ka prendre décision ou regrette ou ka dit oui après ça l'autre table dit non trop tard parce que ou t'es tellement content ou t'es estimé que tout ça ou prend c'est bagaille facile promesse yo ou ka honorer avec facilité c'est lorsque ou depuis ou vinn sous terre parce que l'on content en pile c'est comme si ou a vu dans la lune oublier si c'est sous terre ou yé depuis ou dans l'espace ou en extase et mais tout est facile mais les depuis ou vinn sous terre ou dans la réalité, le ça va dire, ça me dédie comme ça. Pour qui ça me dédie oui? Pour qui ça me engagé comme ça? Alors l'autre content, lui ou besoin pour un petit temps, pour réfléchir, pas quitter contentement, trop joie dans le cœur, pour te aller, pour aller prendre décision, pour regret après. La famille, pour mieux illustrer pour même, premier point ça, quand nous dit que, l'autre content, l'État mandé pour prudent, pour pas prendre décision irréfléchie. Pour nous mieux illustrer ça pour même, nous prenons à travers la Bible pour nous prendre un cas. Dans Matthieu 14, verset 1 à 14, le texte nous raconte cette histoire. Côté que Jean-Baptiste, c'est là qu'il est venu pour préparer chemin pour Jésus-Christ. Ah oui, le prédécesseur de Jésus-Christ. C'est une capable dit prophète qui vient préparer chemin. Et ben Hérode qui était roi dans l'époque ça, il était arrêté Jean-Baptiste et le mettait en prison. Vous voulez vous qui ça? Parce que roi Hérode, il était prend Hérodias, madame Philippe, frère pour madame Paul, pour femme ni. En d'autres termes, il prend belle-sœur, madame frère pour femme ni. Et Jean-Baptiste, comme serviteur de Dieu, lui dit Hérode, sans faire pas bon. Et si m'dap dit sans filtre, m'dap dit, lui ça son acte de vagabondage. Ou pas qu'il doit prendre madame frère, ou madame Philippe ou femme pao. C'est pas bon. Bon, tu m'as la famille. Si Jean-Baptiste pas de colonne vertébrale, pas de homme, il t'a plutôt cherché ti avantage, ti intérêt. Bon côté Hérode parce que Hérode c'est roi Hérode gen moyen t'a cherché pour graisser patli la konti bagay nan men
fait qu'elle content. Vous comprenez? Un petit avantage mesquin, un petit opportunité, un petit intérêt. Mais Jean-Baptiste, c'est pas ça qui est mobile. Li. Il a dit la vérité. Il a dénoncé l'action de d'Hérode. Son tétin, il fait, il est le tétin. Même si c'est roi qui fait, son tétin, il balle non tétin. Il sort fait roi pas bon ou pas qu'il doit prendre madame frère pour femme. La famille, puisque Jean-Baptiste a dénoncé l'action posée par Hérode ou tétin le fait, l'autre de ça, c'est contre notre langue. Hérode prend Jean-Baptiste, lui arrête et le met en prison. Pendant que Jean-Baptiste est en prison, et Hérode lui-même l'a fêté anniversaire de naissance. Li. Ses amis étaient présents, les grands du royaume, les convives étaient là. Et quand une demoiselle qui est petite fille, alors dame que l'Hérodias, là, que Madame Philippe, que Hérode prend pour femme nian, la fille d'Hérodias tap danser dans mitan convivio, dans mitan invité yo. Et Hérode a réjoui, a pris plaisir, l'a bambilé parce que c'est anniversaire. Et si demoiselle a tellement dansé bien devant Hérode, Hérode content, Hérode a réjoui, Hérode a bambilé. Hérode dit demoiselle là, ou fait qu'elle est content. Nous tellement content, mandem sauvle, quel que soit son mandem, ma baoule, et sac d'or là. Hérode tellement content, Hérode s'est menté devant tout invité. Il va s'emmander ma baoule. Quelle honte. Hein? Un roi qui tellement la joie en vaïkel, après juif, madame sauvé le s'emmenter. Et demoiselle-là, si son t'a dit qu'il va gagner plus l'âge, la joie de maman, Hérodias, pour le dire, mais ça, roi, dis-moi. Roi fait une promesse de s'emmenter devant tout le monde. Puis maman dit comme ça, al di roi pour bon tête Jean-Baptiste dans une assiette, dans un plat. Le demoiselle dit roi, je veux la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Roi, quel problème? Roi bouleversé, roi attristé, roi dérangé, parce que demande là, son demande tête chargée. Mais comme étant donné le roi a sermenté en présence de ses convives, il n'est pas capable d'honorer comme cela. Il est obligé d'ordonner al prend Jean-Baptiste en prison, couper tête li et mettre le dans assiette bay demoiselle là. Effectivement, tête Jean-Baptiste coupée, il dans assiette, il remet demoiselle là. La tête de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin du Seigneur, sa tête est dans un plat dans la main de la dit épave. Ça c'est notre sujet, on pas parler de ça aujourd'hui. OK? On pas parler de ça aujourd'hui à la famille. Tête Jean-Baptiste dans une assiette, dans mon tien pave. La famille, la Bible nous dit que Jean-Baptiste est attristé. Alors, Hérode a un problème, il est attristé. Mais hélas, il est obligé de respecter les paroles, les promesses, les serments. Dans le point là, on prend une vieille décision comme ça. C'est le roi prend plaisir, ou a couler ta fille. Alors, on appelle tout le monde, pas seulement chrétien, ou a couler boisson, ou a réjouir avec Zami. Vous comprenez, tout est facile. Et en pile fois, on pose des actions. C'est lorsqu'on sortit dans bière, lorsqu'on sortit dans boisson, on réalise combien de dégâts ont été faits. Parce que la joie te rend toute bagaille facile devant. C'est sur Aïoé où tu es, là tu n'as pas de courbe, là tu as des guides, non, ou à filer. Et c'est après, on calcule quantité de dégâts ont été faits. Parce que la joie te envahit, ou pas te peser. Action, décision, engagement, comportement dans la situation. Parce que tout était facile, la joie était envahie. Mais c'est le cas pour Jean-Baptiste, les victimes, parce que Hérode était dans la joie. OK? Les victimes de ça, Hérode a pris plaisir. L'autre est content, c'est le moment où il prend plus mauvaise décision. Parce que tout bagaille paraît facile. Il a plus bon souffert preuve de sagesse pour exercer la prudence lorsque la joie envahit le cœur, la débordé dans le cœur. Deuxième occasion, la famille qui a besoin d'exercer la prudence, la sobriété, modération, c'est lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est en colère. Mais oui, l'on content, les trois contents pas de problème, mais l'on fâché, l'on en colère également, ou qu'a fait un pile dégâts. Ou qu'a fait dégâts avec parole,
ou ka blesser moun, ou ka détruit, ou ka craser briser. Et nan pren lè ou senti que dega yo pas assez, lò en colère. Même si ou craser briser, ou senti c'est pas assez. Ou ta supposé craser davantage. Ou ça supposé touyer, briser, ma konnen démentibilé tout ça une devant. Pour le mot ça. Et malgré dit rek parole ou senti le passé, m'ta dit plus toujours ou pas calculer dimension des gars, ou pas mesurer ou blessé avec parole et gèl moun ki même blessé avec main qui frappé, qui crasé brisé, qui fait en pile des gars. Et souvent yo konn des dégâts irréparables, des blessures qui pas guéri facile. Alors sous senti ou en colère, ne ka di ou meilleur comportement à adopter, c'est garder le silence. Le silence est d'or lorsqu'on est en colère. Le silence est d'or, est précieux lorsqu'on est fâché. Je reprends la famille. Comme père de famille, comme mère de famille, comme moun ka fonctionne en société avec l'autre moun, lorsque vous senti ou en colère, c'est pas moment pour parler plus, c'est pas moment pour réagir. Et pas moment pour prendre décision, c'est moment plutôt pour ta retirer. Hein? Se retirer, li bon. Et puis faire silence, li bon. Parce que ou ka fait dégâts, après ça, on regrette des gants de fer. Mais oui, la famille, colère qu'on fait, on fait dégâts irréparables. Dans le foyer, avec madame, avec mari, avec Timoun, avec voisin, nan travail la collaborateur là avec les amis nan ministère là, parce qu'on pas maîtriser colère ou parler sans réfléchir ou parler sous base émotion ou blesser moun ou craser briser, après ça ou gen droit regrette, mon fait déjà ou ka di excuser, mon blessé déjà, éviter mieux passer mandé pardon. Prévenir vaut mieux que guérir. Au lieu de tout temps mandé pardon, mandé excuse. Si vous savez que vous maîtrisez la colère, et bien l'on en colère, fait silence. L'on en colère, déplacez, retirez-vous. Parce que, ou cas en colère, le fait que vous agissez sur le coup de l'émotion, sous ce monde qui connaît, ou cas tellement parlé, après ça, vous venez gêner. Mais oui, vous rappelez qui yon dame, qui me connaît très bien, qui est pour le maril, et puis il tombe sale Maria. Il dit tout vieux bagay de Maria. Il dit, mais ma soeur, c'est pas bon. Il dit, l'offre, il dit tout vieux bagay ça de Maria. Et demain, sous table, harmonise relation. Comment vous sentez ou yé avec lui? Ou pas gêné? Le moun ap gado ak moun sa, ou tap dit tout vieux parole, tap discrédité. Hein? Et puis jodi, après ça, ou pas le ou même kap marche avec elle. Ou ka sentou gêné. Si ou kon gêné. Alors, m'a pas dit ça comme ça, non? Mais gêné m'a kon gêné. Vous comprenez? Alors, li bon, parce que non, l'on fâché, ou ka détruit image ou ka détruit personnalité ou ka détruit caractère ou ka fè moun déçu de ou. Mais oui. Gen moun ki ka pran pou moun de bien. Mais le fait qu'on va maîtriser colère, ou va le découvrir la kaou, ou pas de jam moun de bien vrai. Vous comprenez? Ou te potentiel l'autre yo. Je n'ai pas besoin de prendre un exemple, je n'ai pas besoin de citer. C'est bon de maîtriser votre colère. Oui, la famille, si vous êtes en colère, faites silence. Vous mettez à tête. Mais oui, après, vous mettez à tête. Ou quand vous avez mille et une voix qui vous dit vous parlez, vous mettez à voir. Après, vous mettez à tête, vous dites pas parler. Et si vous sentez que vous voulez perdre la bataille là, déplacez. Et puis bon. Mais oui, et pas fort, on parle en pile. C'est faiblesse qu'il y a. Apprendre à résister à voir qu'il y a parler. Jouer. Bas réponse. Mettre pour lui. Casse maintenant même. Non. Au contraire, c'est tête ou à détruit. C'est image ou à sale. C'est personnalité ou à diminuer. Alors, apprendre, maîtriser ou faire prudence lorsque ou en colère. Troisième occasion que vous avez besoin de faire prudence, veiller en pile, c'est lorsque vous avez grand goût. Vous grand goût en pile. Mon ami, mon frère, moi, dit déjà dans un petit conseil sur la famille, dans un numéro. Lò grand goût en pile, ou gen impression, tout ça joine devant li bon, li goût.
Même si vous avez bouillon roche, une fois qu'elle est cuite, ou sans tout à manger, parce que vous avez un goût en pile. Mais pas oublier, le vent tout plein, même zoa pas goût. Même pi bon jus pas agréable, il pas goût. C'est pour m'dou qui ça, pas quitter vent tout mener. Pas quitter vent tout faire tete. Parce que m'en dit déjà, vent bail en pile problème. Vent fait en pile dégâts dans la vie moun. Mais oui, il fait moun perdu personnalité yo, de grands avantages, de privilèges. Mais oui, m'te ka di éthique yo, caractère yo. Je suis d'accord avec Esaou. Il t'a expliqué, oui. Il t'a dit pour vente li, il a perdu droit de naissance li. Comme pour les petites, il a un pile avantage, un pile privilège, un pile bénédiction qui t'a donné li. Mais comme il a grand goût en pile, mais qu'attend, il vend li droit de naissance li pour plat manger. Vente li mène loin. La famille li important li bon, l'or grand goût en pile pour chercher gain contrôle vent tout. Et pas vente qui mène tête. Mais c'est tête qui mène vente. Je reprends. C'est pas vente qui mène tête, mais c'est tête qui mène vente tout. Et pas vente qui donne victoire sur la tête, sur la tête, mais c'est tête là qui mène une victoire sur vente là. Oui la famille. Quatrième occasion. Que on besoin exercer en pile prudence. C'est lorsqu'on a trop envie de se marier. L'on envie marié en pile. L'on senti mariage la kembo en pile. Et on senti à tout prix faut qu'on marié. Le ça, on senti que quel que soit choix li bon. Quel que soit occasion li bon. Quel que soit moun qui vient sur toi, on senti le bon. Ou pas gen temps pour tenir compte de quoi que ce soit. Est-ce que moun sa ka madame ou vrai? Est-ce que moun sa ka marim? Qui caractère? Qui famille? Qui comportement, qui attitude li? Est-ce que c'est moun pam nan vre? Est-ce que nous gen point de ressemblance? Est-ce que nous ka cohabiter? Ou senti quel que soit défaut moun nan genyen, ou ka rezi yo? M ap ka gérer ça, m ap ka accepter, m ap ka tolérer, m ap ka supporter ça. Ou comprendre moi parce que seulement envie marié en pile. C'est lorsqu'on fin marié ou ap réaliser que caractère ça ou pas ka supporter. Moun sa, pas moun pour la vraie. Ou comprenne, attitude li, ou pas supporter li. Et l'on a découvert tout défaut li gen yo. Mais au commencement, ou te tellement envie marié, t'être parti, c'est marié, marié. Et même si ou ta dit moun sa, li se mauvais moun, li se mauvais jè, ou dit non, ou pense bon moun niye. Et parce que pas vlou marié, et pas vlou entrer dans foyer, et pas vlou si ou pas vlou sa, qui t'aime. Ou moi je veux vivre avec madame moi avec marim si bon pour moi la bon et pour moi la si bon pour moi la bon si pas bon pour moi la ou pas ni maman ni papa ni frère ni sœur ni ami ni leader parce que seulement envie marié la famille l'important pour connait que dans question mariage pas supposer qu'une pression en pile fois qu'une pression si me dit ca madame yo on garde sous l'âge moi gagne combien temps année moko marié y a 10 de moins y a 10 ça de moins mais comme garçon si m'pa marié là ça y a 10 si y a 10 ça mais comme étant donné m'pa parler moun mal comprendre moins m'pa parler moun penser mal de moins ah bam bam non m'a dégagé m'a tout pris moins embarqué moins marié et sans pas connait qui est moun ça y est-ce que son moun que on ka cohabiter avec lui est-ce que son moun qui a comprend nous est-ce que moun ka vivre avec lui pas quitter c'est sous base pression moun ou obligé rentrer dans mariage. Et me souvent dit ça, quel que soit défaut que ou ka yon moun nan fiançailles, s'il était à 10%, moi assure l'homme marié la 25-30% 40%. S'il était à 15% comme défaut, on garantit l'homme marié la 40 la 30%. S'il était à 20 quand même 40 50. Ou besoin majorer défaut parce que en pile fois nan fiançailles, moun yo kon a caché une série de bagages. Pigo pense par rapport à défaut ça même si là m'a ka supporter m'a ka arranger m'a ka kembe m'a ka goumé mais on pas obligé faire une vie dans goumé comprendre on pas obligé faire une vie dans résignation on pas obligé faire une vie dans bataille comprendre et son fado que mariage a tourné pour même alors pas obligé ça mais en pile fois c'est parce que nous tellement à tout prix le marier à tout prix l'engager nous à tout prix l'embarquer
eh ben pas gen temps pour nous garder qui ça qui en jeu dans engagement que nous pral prendre. Alors c'est important lorsque vous sentez ou trop envie marié, de préférence prend petit temps pour réfléchir, est-ce que moun sa m'a ka embarquer avec. Oui la famille. J'en dis déjà l'or pi envie marié, c'est là ça prend petit temps pour réfléchir. Gen moun ki pa jam mesure rien. Li wè 2B, li se bon bagay. Bel bébé. Gen de B kont 2B kont di bon bâton. OK? Pran ti tan, réfléchi. Parce que l'autre vi marié, ou pa gen tan pou mesure rien. Gade rien. Vire moun nan tunnel pou el. Hein? Parce que il bon. Lò gade moun nan. Mais je vais pas acheter. Mais il a vu ça vite devant. Ou vire bagay la, ou gade le tunnel, ou elle, est-ce qu'elle bon? Ça c'est une l'autre pour une, elle vit devant. Alors, pas quitter passion, folie, envie, prendre tout, faut partir, faut effort, non, engagement comme ça, c'est après, on va prendre question mon pon gon gon. Ya. C'est des bons temps. L'autre, tu as envie de marier, prends ton temps pour réfléchir. J'aime souvent dire ça. Le mariage, c'est un bon moment, plaisir, voyage, manger, etc., plage, je ne sais pas. Mais le mariage, c'est une maladie, tout, change de diaper, change de civet hygiénique, tout. Mais quelqu'un qui va marier pour ça, le marier pour plaisir, pour jouissance, c'est juste se lier. Il pas marié pour problème. Comment l'autre, on est un qui est sensible, qui est incompréhensible. Alors, dis-moi, un problème, ou bien, mais alors, c'est important, l'autre, autre envie marié, prends un temps pour garder est-ce que mon ça ou qu'à embarquer avec elle, pour pas embarquer avec un pont, bon. Ok, la famille. Cinquième occasion, la famille, que vous besoin de prendre un temps pour réfléchir, penser, exercer la prudence, c'est lorsque ou trop envie partir. Surtout pour Haïtien. Le Haïtien a envie de partir, il court à l'aventure. Il n'a pas de temps pour questionner comment m'a parti, qui moyen m'a utilisé, qui ça capitaine moi, comment route l'anye, autrement dit, voies et moyens. Il seulement vol parti, quitte le parti, bal passé pour le parti, empêcher le parti. De pour vous dire, haïtien, pas parti, pas marié, mon cher mérite la mort. Ou pas dire, haïtien, pas marié ça. Ok? Alors, il va y avoir temps pour mesurer en jeu qui côté m'bralé, ça qui attend moins, qui action. Ok? M'a posé comme ça, est-ce que mesurer le. Même gens, il y a un peu de monde qui m'a pas fait compte. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais je dis qu'il y a un phénomène d'Ariane, foi de d'Ariane. Il y a un peu de monde qui, par mesure forêt, qui dit ma partie, peu importe, j'ai un foi d'Ariane, soit je traverse ou bien je reste là-dedans, ma partie. Et malheureusement, il y a un pile qui va traverser foi d'Ariane, il y a un forêt. Mais encore, ça fait une pensée à pays nous. Il y a des gens qui disent que je préfère moins d'Ariane que moins Haïti. D'Ariane, plus bon que Haïti. Alors, c'est les gens qui ont réflexion ça. Et vous avez affronté d'Ariane qui est en Haïti. Je ne comprends pas, je ne vais pas condamner. Mais, l'autre, trois envie de partir. Il est bon pour un petit temps pour réfléchir. Est-ce que c'est la meilleure décision? Est-ce que son décision est avec tête reposée? Qui s'en capte de moi? Qui côté je vais aller? Dans quelles conditions? Les bons en pile, l'on réfléchit lorsque envie de partir en pile en pile. Oui, la famille. Sixième occasion que besoin prudent et vie en pile, c'est lorsque on envie en pile, trouver un emploi. L'on pas travail ou besoin on travail ou senti que n'importe qui travaille ou joindre la bon. N'importe condition, n'importe côté ou dit de nous dégager, n'importe jambe joindre, n'importe côté à ma fèle. Parce qu'on besoin travail. Et pourtant, dans la pratique, n'est pas ça. C'est parce qu'on a envie de travailler trop qu'il va avoir une porte qui travaille à bon pour vous.
n'importe condition yo bon ou pas un problème des yeux fermés tête baissée m'a travail c'est lorsqu'on fin engagé ou dit si m'te connais m'pas pour travail ça et en pile fois que n'ko fou école ou pas ka faire bac OK en pile fois tout que des conditions ou accepte le travail après ça ou pas ka fonctionner là-dedans li pas bon pour même des endroits des conditions imposées autour pour travailler ça ou pas capable mais ça les tout c'est à propos le dit il pas bon parce que l'autre prend là ou t'es tellement envie de travailler ça ou pas de temps pour poser question ou pas de temps pour garder conditions yo ou pas de temps pour lire clause yo m'a signé m'a engagé d'accord on ca faire tout ça yo dit d'accord même si yo mande faire ça quand dire le travail ou tu pas un problème prêt pour ça. C'est après bah ouais patron bien boss là son boss te chargé bon la exige trop bagay mais ou même te tellement envie travail ou pas de temps pour mesurer en rien la famille je veux comprendre que le travail ou fin engagé là-dedans c'est les condamnations aussi hein ou obligé contre toute couleur la canciel ou obligé faire tout son pas de faire ou obligé accepter tout son pas de accepter. Et tandis que vous avez une occasion pour éviter ça. Et probablement, vous avez une meilleure. Mais le fait que vous avez une patience pour une semaine ou deux semaines, un mois en plus, vous ne pouvez pas dans un endroit que vous n'avez jamais souhaité. Alors, lorsque vous n'avez pas de travail, c'est dur et très dur. Surtout lorsque vous avez de grandes responsabilités familiales. Mais ça n'a pas une raison pour que vous ne pouvez pas dans n'importe qui travail. Sans ou pas mesurer en droit, condition yo, salaire, est-ce que m'a capable de kembe? Bon petit temps, réfléchis. L'autre, toi, tu envie de travailler, ou besoin de réfléchir sur la qualité de travail là, sur en droit et condition de travail là, la famille. Oui, la famille, nous t'y crasse pour aller rapide parce que je voulais ouais, tout 10 occasions dans les vidéos ça. Septième occasion que au besoin vigilant, au besoin faire prudence, c'est lorsque toi envie acheter. Par exemple, quelqu'un qui envie acheter une machine, une moto. Il est tellement tête qui parti, il est obsédé, faut acheter une moto, pas qu'il est semaine parce qu'il va acheter machine non, il pas sorti pas rentrer avec machine ça, et bien sorti dit faut acheter une machine aujourd'hui là. Et puis tête qui parti, il est obligé acheter n'importe qui machine ni joindre. Li pa gen temps pour regarder est-ce que machine nan en bon état ou bien moto en bon état ou bien caille ça m'a pas acheté en bon état mais seulement gon passion faut l'acheter ton caille faut l'acheter le tête parti comme ça faut acheter ou obsédé ou trop envie acheter nan point l'acheter mauvais bagaille comme ça ou faire mauvais achat non seulement produit en pas de qualité c'est l'on fin acheter sans fin frette ou fin reposer, peut-être ou reposer qu'on y a, ou est sans achat son vieille réalité. Et si m'dab dit sans filtre, m'dab dit son tête, ou regrette comme là ou perdu comme là. Non seulement produire qu'on n'a pas de qualité, mais également qu'on achète trop cher. Yo faut payer 4-5 fois plus l'argent supposé vendre, parce qu'on a une obsession, peut-être ou t'es parti, faut acheter. Et m'abdou si gen comme qui gratte ou qui nuit ou, cherchons côté métal. Bay ou moun fè confiance kembel pou mba konnen. Parce que en pile fois que des moun comme la reli, li senti que comme la nuit, comme la déranger, comme la met des poches li pa ka wèl devant l'encore. Oui la famille. Jean dit là, gen moun ki fè allergie à comme nan poche li. Li pa ka tolérer, li pa ka supporter le depuis le wèl, l'envie gouma avèl mettre dehors parti à l'autre côté, à l'autre l'autre moun. Faut l'acheter. Et acheter même sale, pas besoin. Acheter bonne pépé, bataclan, empilé. Seul pas, j'en mets une là-dedans. Parce qu'il n'y a pas qu'à ouer comme il y a devant. Bon problème, faut l'acheter. Faut aller, m'pas qu'à ouer, al faire ou tout le coup, il y a l'argent. Alors, puis il faut faire mauvais achat. Et ou acheter sans pas besoin. Ou acheter plus cher que prix normal. L'autre envie acheter, c'est moment pour dire, bon, m'tan demain. Bon, m'tan après demain. Pour moi, est-ce que son besoin réel ou bien son folie acheter, son envie me gagner? Alors, l'autre envie acheter, prend du temps pour réfléchir. Est-ce que comme ça, je ne vais pas sérieux plutôt de café avec au lieu mal investir, mal dépenser, le dit pas investir, non, mal dépenser n'importe comment. L'autre envie acheter,
prend petit temps pour réfléchir parce que on fait mauvais achat et on acheter dans prix que pas doué acheter la famille. Huitième occasion la famille qui a besoin veiller, au besoin prudent. C'est lorsqu'on est privé de tout. Lorsqu'on pas gagne rien du tout. Lorsqu'on pas gagne rien du tout ou est toute bagaille belle, toute bagaille bon. Je reprends. L'on pas gagne rien du tout ou est toute bagaille bon, toute bagaille belle. Et pas bon le bon vrai, c'est pas belle li belle vrai, c'est parce qu'on en privation, parce qu'on pas gagne rien. OK? L'on pas gagne rien ou est toute bagaille bon, toute bagaille belle. Et mais les ça ou ka fait mauvaise évaluation de ou même ou ka accepter n'importe qui offre, n'importe qui occasion, n'importe ça ou ba ou, mais oui, ou prendre la pour Suzanne. Tout ça ou ba ou c'est bon bagaille. Et pas bon bagay lié, c'est parce qu'on pas gagné du tout. Alors, pas quitter, pas gagné du tout, faut prendre tout bagay pour bon bagay. Je reprends. Pas quitter, pas gagné du tout, faut ouais, tout bagay c'est bon bagay, tout bagay c'est gros bagay. Non, et pas gros le gros, c'est parce qu'on est en situation difficile, parce qu'on est en privation de tout. Alors, pas quitter privation de tout, faire ou accepter n'importe qui occasion comme belle occasion, n'importe qui offre. Comme belle offre, n'importe qui petit bagay comme gros bagay. Alors, besoin veiller, ou besoin prudent, dites tout, et pas là, ou après, la famille. La famille, est-ce qu'on te connaît que des moun tout saloué son gros bagay? Yon moun achete une machine, ou une machine, ou une gros machine. Mes amis, regarde son machine. Les moun nan bati deux chambres, ils disent, mes amis, regarde son château. Non, c'est pas machine, nan gros. Et pas kalagro, vrai, c'est deux chambres, c'est quatre chambres. Et pas kalagro, c'est vision trop petit. Mais oui, c'est yo, c'est vision trop petit qui fait ouais, tout bagay, c'est gros. Et tandis que yon moun ka pou l'autre qui bati 10, 15, 20, 30, ka, alors m'di, chambres, mais c'est pas vraiment thème. Non, ça, on maison. Mais pour lui, il n'y a pas ouais, c'est tellement grand. Mais oui, malgré son belle maison, vrai, mais ça m'a dérangé, il n'y a pas ouais, c'est trop gros devant yeux. Parce que vision parle gros. Et ou pas obligé de l'argent pour que vision. Vision vini avant l'argent ou gran pa gon good mon gen vision avait dit que n'importe ça ouais li pa égaro li pa dérange ou mais oui pour nou a grand goût oui et pour on belle table gani mais pa dérange ou c'est tout sous pour lou ou pa why li pa souke ou te nou pa gon good nan poche ou moi ouais on yas l'argent mais pa souke ou li pa dérange ou était jam et ça pas de formation de caractère là vous comprendre ou pa dans souke ou. Alors, en plus, il va pas la gauvre, mais c'est vision trop petit. Lorsqu'on est privé de tout, en plus, il faut mettre tout bagay, c'est gros bagay, c'est bon bagay. Alors, on besoin prudent, ou quand on baquer votre comment, et après, sortez prendre, sortez accepter, il n'y a pas de bon vrai. Mais c'est privation qui faut elle, qui est bon bagay. Oui, la famille, lorsque vous privé de tout bagay, vous besoin faire attention. Ou quand tout bagay, c'est bon bagay. Neuvièmement, ou bien neuvième occasion, lorsqu'on a tout à sa disposition, ou bien lorsque vous avez tout à votre disposition, ou besoin prudent. Lors pas manquer un yé, ou estimer que vous êtes autosuffisant, ou bien tout son besoin, ou besoin prudent. Parce que, en guerre moto, moun pap kapal avoir, ou pap tan de moun, ou pas comprendre moun, c'est l'argent zami ou, c'est l'argent frère, l'argent maman, l'argent tout bagay ou, c'est sous son gen compte, ou pas compter sous moun, ou pas besoin moun, ou autosuffisant. Ou une partie moun qui orgueilleux et ou sous mauvaise voie. Lorsqu'on pas gen un yen, pas bon, mais lorsqu'on gen tout bagay à disposition, ou besoin prudent, parce qu'on sous mauvaise piste, ou sous mauvaise voie, ou c'est ou sous une pente glissante, orgueil a monté et au capable payer sa chair. Lorsque on gagne tout bagay, c'est le sabot plus humble, plus sage, plus souple, plus modéré, plus contrôlé comportement. Parce que l'on gagne tout bagay, l'on autosuffisant, li konn rann ke ou orgueilleux, ou pas parler avec moun, ou pas tande moun, ou pas comprendre moun, ou pas chita kout moun, ou pas camarade moun, orgueil monté. Ou bien tout un danger social également. L'on pa gen rien, li ka fini rann un danger social, mais l'on gen tout bagay tout, pas besoin personne, ou ka vin devenir tout un danger social.
Dixième occasion, la famille, qu'on a besoin vigilant, besoin veiller, prudent, par précaution, c'est lorsque les hommes vous élèvent. Le monde a levé en l'air. Le monde a poté en l'air. Le tout le monde a douce bon monde. Le tout le monde a applaudi. Le tout le monde a montré, a chéri. Il a caressé. Et bon, sous mauvaise pente, ou pas loin tomber. Et ça va susciter dans encore orgueil. Et les hommes pas levé en l'air pour longtemps. Même moun kap di vive aujourd'hui, demain le pral di aba. Mais oui, c'est comme ça l'homme. Jésus-Christ a rentré à Jérusalem dimanche, qui est alors qu'il précédé Pâques là. Mais qui ça t'a fait? Il souti bouik li, il a mette branche bois sous chemin, il a mette radio, il a prié Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Et puis, dimanche, alors, vendredi saint, il a dit crucifié-le. Lage Barnabas, cloué Jésus-Christ. Même peuple là, oui. Mais oui, t'as levé dans l'air. Ok? Faut veiller en pile, les hommes à lever en l'air parce que ou ka tombé. Oui, la famille, les hommes à lever en l'air ou besoin prudent. Yo ka lage ou à terre de façon volontaire, yo bouke avant, yo lage ou à terre. Yo pas besoin encore. Ou du moins, tout bras ou fait ou mal. Malgré gen volonté ta kembo en lè, mais pas gen force encore, bra ou fè ou mal ou obligé de tomber. Et lorsque pigo ou prend pigo so, ou tombe fort. Et ou te ka di si m'te konnen pa accepter moun lè en lè. Gade quand on tombe, tout dam rache, tête mwen kase, ou reprend et m'perdi chèl bèm. C'est bon pour moun honorer moun. C'est bon pour moun apprécier moun. C'est bon pour moun comprendre moun. C'est bon pour moun ba moun valeur. Mais veillez, les hommes appelez-vous en l'air. Tout le monde a dit c'est bon mounouye, ou c'est bon papa, ou c'est bon maman, ou c'est bon leader, ou si vous êtes à mes amis, même moun pam nan. Veillez. Parce que même moun kap dou, c'est bon moun nan, demain, c'est le badi crucifié. Alors prudent, quand les hommes vous élèvent, m'padou pas accepter élévation, m'padou pas accepter promotion, mais veillez, en pile, l'or tout le monde appelez le bon moun, appelez-vous en l'air. Ou gen doit tomber fort. OK? C'est très important la famille. Alors 10 occasions que au besoin veiller en pile. Oui la famille. Lorsque on dans situation ça yo, au besoin prendre pile précaution, au besoin veiller, au besoin contrôler émotion. À titre de rappel, mais 10 occasions que au besoin prendre en pile précaution. Lorsque trop content, c'est première. Deuxièmement, lorsque on senti que on fâché en pile. Troisièmement, lorsque ou trop grand goût. Quatrièmement, lorsque ou trop envie marier. Cinquièmement, lorsque ou trop envie partir. Sixièmement, lorsque ou trop envie trouver un travail. Septièmement, lorsque ou trop envie acheter. Huitièmement, lorsqu'on est privé. Alors, lorsqu'on est privé de tout. Neuvièmement, lorsque vous avez tout à votre disposition. Et dixièmement, et finalement, souvenez, lorsque les hommes vous élèvent, dans 10 occasions, ça a eu besoin vigilant, ou besoin prudent, ou besoin faire appel à la sagesse, à bon comprendre, à bon sens, ou pas courir, quitte emporté par ça que vous pensez ou par ça que vous attendez ou pas prendre mauvaise décision. Alors la famille nous t'ai essayé bref pour dans chaque partie pour nous arriver présenter 10 occasions. Merci de votre écoute. Merci de ce que vous recevez de la caillou. Nous t'ai content de rentrer et m'espérer que vous va faire application. Il y a plus d'autres occasions, mais choisir 10 qui majeur et m'espérer que s'entendez ou faire application de vous-même ou prendre précaution ou pas agir sur base émotion. Lorsque dans situation ça. C'est donc plaisir pour me te servir et merci d'être que vous continuez à abonner. Vous continuez à partager vidéo, vous commenter, vous like. Et pour te servir, c'est toujours frère, ami ou pasteur Doristan Bernardo. Alors, on va excuser nous parce que vidéo a gain pile l'autre mouvement qu'a fait et en background, vous comprendre ça et alors, nous t'es obligé parce que nous gain pile temps que ne pas faire rencontre là. Malgré que nous t'ai senti ça, mais nous t'ai obligé de faire quand même
malgré une sortie de trop mouvement en bagarre, moun kap déplacé, mais on va accepter, on va recevoir telle qu'elle est, parce qu'à travers la vidéo, et nous espérons que, et on va tirer le son de ça que tu dis. Mais merci encore une fois, ça fait un plaisir, et c'est avec même sentiment, même amour qui n'a continué, servir. N'a de kembe fèm, n'a souhaité que bon Dieu capable bénir, que bon Dieu accompagne yo, et n'a dit à très très bientôt pour le 20e numéro de Ti Kozé sous famille ak famille. Et pas oublier que Pasteur Ben li remè en pile en pile. Bye bye, que bon Dieu nous abondamment.